Eh bien, nous voici à Totavel, dans le musée qui est tout proche du laboratoire de recherche HNHP, qui est un laboratoire de l'Université de Perpignan, du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et qui étudie l'homme dans son environnement depuis 450 000 ans. Alors, comme on peut voir derrière moi, notamment, on y étudie la confrontation de l'homme au changement climatique. Alors, même si à l'époque, il s'agissait de changement climatique naturel, et aujourd'hui, on est confronté à un changement climatique dont on est en bonne partie responsable. Donc l'homme, déjà à l'époque, s'adaptait en développant des pyrotechnologies. Donc là, on est dans la biomasse. Et aujourd'hui, on doit développer tout un mix énergétique composé des différents types d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas seulement de la technologie. Il est nécessaire aussi de s'occuper des problématiques sociétales, des problématiques d'aménagement du territoire, et donc d'organiser tout ce mix énergétique avec aussi tout le cortège législatif qui va avec. Voilà, donc on sent bien que ce sont des sujets très pluridisciplinaires et ici on est effectivement dans une ambiance qui aborde tous ces aspects de cette problématique. Voilà, je vais vous laisser, je vais profiter donc de la visite de ce très beau musée et je vous invite d'ailleurs à venir le découvrir par vous-même.